Eh bien, merci pour l'introduction. Donc, ravie de vous accueillir ici et surtout ravie d'accueillir Esther Finidori, grand témoin pour cette séquence autour de la transition climatique. L'urgence est une opportunité, les ministres l'ont souligné, et c'est aussi un point de vue que vous partagez, Esther, mais on va y revenir. Nous pouvons réduire de moitié les émissions d'ici à 2030, mais il faut agir aujourd'hui. En avril, le rapport du GIEC alertait sur l'urgence climatique et affirmait que sans une réduction immédiate et radicale des émissions dans tous les secteurs, il sera impossible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Depuis, la guerre en Ukraine a plongé l'Europe dans une crise énergétique sans précédent. Pour y faire face, le gouvernement a dégainé début octobre un plan sobriété énergétique en 15 mesures dont je suis sûre vous avez entendu parler. Une décision que vous saluez, Esther Finidori, car la planification est un de vos chevals de bataille sur le sujet. Vice-présidente de Schneider Electric France, vous êtes en charge de la stratégie et du développement durable et vous êtes membre du comité de direction France. La précision est importante pour mesurer combien Schneider Electric est investi sur le sujet de la transition énergétique depuis longtemps, mais nous y reviendrons. Diplômée de l'École centrale Paris, titulaire d'un master de l'Université de Cambridge sur les politiques publiques pour l'innovation et la transition énergétique, vous étiez auparavant vice-présidente environnement chargée de définir la stratégie environnementale globale du groupe et de piloter les transformations du spécialiste français de la gestion de l'énergie. Avant de rejoindre Schneider Electric en 2016, vous étiez consultante en environnement chez Carbone 4, un cabinet de conseil spécialisé sur la stratégie bas carbone et l'adaptation au changement climatique. Pendant près de 6 ans, vous y avez développé une expertise spécifique sur le changement climatique et la transition énergétique. Vous êtes donc à la fois une décideuse et une experte sur le sujet de la transition climatique. Nous sommes donc triplement ravis, aussi parce que vous êtes une femme, désolée, de vous accueillir à Station F pour la 3e édition du Meetup Green Tech pour nous faire partager votre vision sur le sujet de la transition climatique. Cet été, Jean-Pascal Tricoire, donc le PDG de Schneider, tirait la sonnette d'alarme. Il faut déclarer un état d'urgence climatique. Une urgence qui, selon vous, est une opportunité qu'on ne peut pas rater. Ma première question, c'est autour des engagements avant de parler plutôt des engagements de Schneider Electric sur le sujet. Schneider Electric qui est une des entreprises les plus engagées sur le climat depuis plus de 15 ans. Donc avant d'aborder les engagements que le groupe Isero a pris, j'aimerais que vous nous exposiez votre vision personnelle sur le sujet. Selon vous, quelle est l'ampleur des transformations en matière de transition climatique à opérer ? Bonjour à tous. Oui, je pense que c'est effectivement un très bon point de départ. Quand on parle de transition, je pense que tous, on a tendance à penser de manière incrémentale. Mais en fait, si on fait un petit exercice de prospective, qu'on se projette dans le futur et qu'on regarde ce que ce futur doit être, on se rend compte à quel point les changements qui doivent impacter notre société sont massifs, extrêmement structurels en termes d'infrastructures, en termes de modèles d'affaires. Je vais vous donner quelques chiffres parce que je pense qu'ils permettent de se projeter et du coup de comprendre à quel point il faut changer, mais changer de manière profonde et rapide. À horizon 2050, dans le monde, parce que la transition, l'innovation, le passage à l'échelle, c'est vraiment sur un terrain de jeu mondial qu'il faut réfléchir. On doit passer de aujourd'hui quasiment zéro, vraiment quasiment zéro production d'énergie décentralisée renouvelable à près de 50%. On doit passer de 20-30% d'alimentation des bâtiments, de l'industrie en électricité à 80%. On doit passer, pareil, de presque 0% de véhicules électriques sur la route à 70%. Vous voyez, ces changements, ils doivent s'opérer de manière extrêmement profonde. Et quand on y réfléchit, en sous-jacent, c'est quoi ? C'est une évolution absolument majeure de toute l'infrastructure qui est dans nos villes, dans nos territoires. Et vous le savez très bien, l'infrastructure est un facteur clé de compétitivité. Donc en fait, ce qui se joue dans les 10-20 prochaines années, parce que ces changements, il faut commencer à les livrer dès maintenant à horizon 2030 pour tenir une trajectoire climatique, ça a été très bien dit par Monsieur Béchu, tout simplement soutenable, acceptable.
Il faut les commencer tout de suite et ça implique des changements extrêmement profonds des modèles d'affaires et de la manière dont on investit et on développe les écosystèmes physiques de recharge, de consommation, de production d'énergie. Dans l'industrie, c'est pareil. Fondamentalement, hein, vous avez tous bien compris que la circularité, la capacité à boucler les flux de matière, est un des prérequis pour réussir la transition climatique. La circularité, c'est quoi ? Je dis toujours de manière un peu provocante, mais je pense que ça parle, c'est l'anti-lean. Ça fait 40 ans qu'on fait du lean dans l'industrie. On va tout droit de manière optimisée, puis d'un coup, on se dit qu'il va falloir faire des ronds. Bon, c'est un changement massif de la manière dont les entreprises achètent, produisent, vendent. Et il va falloir arriver à inventer ces modèles d'affaires totalement différents et ces nouvelles façons de fabriquer et de créer de la valeur pour in fine rendre le service à l'usager, car on veut tous arriver à faire cette transition de manière soutenable d'un point de vue économique. Donc fondamentalement, les changements dont on parle, ils sont extrêmement profonds et drastiques et évidemment, ils vont impacter de manière très très forte tout le tissu industriel, tout le tissu économique du pays. Et aujourd'hui, se projeter dans cet avenir, c'est en fait un facteur clé de réussite. C'est pour ça que je dis une opportunité qu'on ne peut pas vraiment se permettre de rater. On peut le voir du côté positif. Mais c'est aussi, quelque part, une menace pour les économies qui n'arriveraient pas à s'adapter à ce nouveau contexte, de se retrouver inadéquates en termes de capacité industrielle, en termes d'infrastructure, par rapport à l'impératif de la manière dont on doit fonctionner demain collectivement. C'est le choix que Schneider a fait il y a 15 ans, en transformer son business model. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le virage qui a été pris en 2007 par l'entreprise ? Oui, alors à l'époque, j'étais pas chez Schneider Electric. Vous avez donné un compte-rendu très détaillé de mon CV. En 2005, je dirais, notre actuel PDG a opéré un changement très profond à la stratégie de l'entreprise. Ça a changé nom au fur et à mesure. On a affiné les mots qu'on y met derrière. Mais fondamentalement, il y a maintenant plus de 15 ans, Schneider Electric a dit « cet enjeu de transition énergétique, je vais le mettre au cœur de ma stratégie d'entreprise et de mon purpose, ma raison d'être, c'est-à-dire de ce que je veux créer comme valeur et apporter au marché ». Et ça, c'est un changement extrêmement profond. Et d'ailleurs, ça a été fait avant le choix d'avoir une politique de développement durable ambitieuse. La politique de développement durable ambitieuse est quelque part la conséquence de ce choix. Mais l'idée, hein, et c'est extrêmement profond comme transformation, c'est de dire demain, je veux être une entreprise qui veut apporter des solutions et créer de la valeur pour aider mes clients à faire cette transition. Et évidemment, Schneider n'est plus du tout l'entreprise qu'on était il y a 15 ans. Et ce changement au plus profond niveau de la raison d'être métier du groupe a ensuite impacté, on va y venir, très profondément notre stratégie d'innovation. Et on dit toujours qu'on aime, notre phrase, c'est on veut être des deux côtés de l'équation. On veut d'un côté être responsable, leader en termes d'engagement dans nos opérations, mais aussi un peu plus largement au sein de notre écosystème, nos fournisseurs, nos partenaires, donc dans notre chaîne de valeur. Et on veut être l'entreprise qui aide les clients à y arriver également dans leurs opérations. Et le fait d'être sur ces deux fronts, c'est un atout très important en termes de différenciation sur le marché, puisque on le fait pour nous-mêmes, on le vit, c'est difficile. J'étais auparavant directrice environnement du groupe pour ces opérations mondiales, je peux témoigner, c'est difficile d'opérer ces changements. Et le fait de l'avoir vécu, de piloter, tester nos propres technologies, de collaborer avec des startups dans nos propres sites, insuffle notre stratégie d'innovation, notre positionnement business, et puis nous donne tout simplement la crédibilité et la confiance pour nos clients, pour le faire avec eux. Voilà. Et donc le fait de le faire chez nous, avec nos partenaires, notre écosystème, fournisseurs, partenaires en aval, et de l'autre côté avec nos clients, ça alimente, ça s'interalimente de chaque côté, et ça nous permet en tant qu'entreprise, je pense, d'aller beaucoup plus vite dans notre capacité à capter ces signaux faibles, anticiper le changement et aussi prendre des risques sur la manière dont on voit ces thématiques. Donc vous l'avez dit, c'est une double mission pour Schneider. Est-ce qu'on peut revenir sur les engagements qu'a pris Schneider sur le sujet avec des étapes clés que vous avez identifiées et, est-ce que vous pouvez nous partager où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous êtes en avance de phase par rapport au plan que vous avez imaginé ou est-ce que vous êtes dans les clous ou, voilà. Quels sont un peu les objectifs à court et moyen terme de Schneider en termes d'engagement ? Alors, climatique.
On n'est pas en avance de phase, je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, la plupart des grands groupes qui sont sincèrement et de manière ambitieuse engagés sur le climat ont pris des objectifs extrêmement ambitieux. Je vais vous les décrire juste après. Je veux juste vous expliquer. Aujourd'hui, les entreprises, je dis grands groupes parce que c'est des protocoles d'engagement qui sont aujourd'hui pas du tout adaptés à des petites entreprises. Hein, pas que les petites entreprises ne soient pas engagées, mais notamment Science Based Target Initiative, l'initiative qui permet aux entreprises de se fixer des objectifs en ligne avec la science. C'est vraiment une initiative qui est adaptée en termes de méthode aux grosses entreprises. Donc, ce que les grosses entreprises engagées comme Schneider Electric vont aujourd'hui, c'est se fixer des objectifs climatiques en ligne, alignés avec la science climatique. Et donc, globalement, on se fixe des objectifs climatiques qui sont compatibles avec une trajectoire pour Schneider Electric 1,5 degré. Mais aujourd'hui, les économies mondiales ne sont pas encore, malheureusement, sur cette trajectoire. Donc, en fait, ce que fait un groupe comme Schneider, et bonne nouvelle, heureusement, on n'est pas du tout les seuls, hein, c'est qu'on prend l'engagement de décarboner plus vite que l'économie. Et ça, évidemment, c'est extrêmement ambitieux, voire même, je dirais presque inatteignable, parce qu'une entreprise mondialisée ne peut pas se décarboner indépendamment du contexte économique dans lequel elle opère. Donc aujourd'hui, c'est ça le contexte de prise d'engagement des entreprises. Et évidemment, l'idée, hein, la position, la raison pour laquelle on prend ce type d'engagement, c'est la volonté d'être exemplaire dans l'écosystème et de générer cet effet boule de neige qui permettra ensuite de créer de la demande et de créer de la valeur sur la capacité à se différencier sur l'environnement, la performance environnementale de l'activité. Alors, je vais répondre à votre question sur les objectifs. Je les mettrai dans deux ensembles. Le premier ensemble, c'est on a pris des objectifs ambitieux pour nous-mêmes et sur notre chaîne de valeur, très courts en termes de délai, je vais vous les décrire, et l'idée, c'est de démontrer que c'est faisable. Le mantra qu'on a, et notamment sur nos opérations industrielles, et Schneider, c'est 100 pays dans le monde, c'est 200 sites industriels, usines et centres logistiques, c'est plus de 1000 bâtiments, c'est 15 000 véhicules de fonction, enfin, il y a une vraie complexité organisationnelle, c'est 135 000 employés. Dans nos opérations, on a dit qu'on atteindrait net zéro émission à horizon 2030. Net zéro, ça veut dire moins 90%. Sur les émissions, et les 10% résiduels très difficiles à réduire seront compensés, mais donc moins 90% en termes de réduction. Et on a dit qu'on ferait ça sur l'ensemble de nos opérations à horizon 2030, donc dans 8 ans. Et donc non, on n'est pas en avance parce que c'est extrêmement difficile à atteindre. Mais l'idée, c'est vraiment de démontrer que c'est faisable dans tous les pays du monde où on opère, quel que soit leur niveau de maturité socio-climatique, et puis dans la complexité organisationnelle d'un groupe comme le nôtre, avec des activités très importantes, des activités plus petites, et puis un caractère quand même diffus, hein, et très distribué de nos activités. Donc 2030, net zéro dans nos opérations, et 2050, net zéro sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, avec tous nos fournisseurs de rang 1, mais aussi les fournisseurs de nos fournisseurs de nos fournisseurs. Et en moyenne, on estime que dans notre métier, il y a une chaîne de 7 fournisseurs à la suite avant d'arriver chez Schneider. Donc les 7 rangs en amont. Et puis avec nos clients, et donc en les aidant à eux-mêmes décarboner leurs propres opérations. Voilà. Et ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé pour 2050. Et évidemment, 2050, c'est loin, mais en fait, pas tant que ça. Pour atteindre ces objectifs, on en rétro-pédale des programmes de transformation sur une durée de 5 ans, sur lesquels on se mesure et qui nous mettent sur la bonne trajectoire pour atteindre cet objectif. Donc on veut montrer que c'est possible, qu'on peut commencer tout de suite, que dans son domaine de contrôle d'opération, on peut prendre des objectifs très court terme. Hein, 2030, c'est extrêmement court pour ce type d'ambition. Et puis, on veut le faire avec notre écosystème, nos partenaires, nos fournisseurs de rang 1 dans un premier temps, pour qu'ensuite, ça puisse remonter la chaîne de valeur. Donc ça, c'est le premier paquet, je dirais, d'engagement climatique qu'on a. Le deuxième, il est très différent. Alors, il est un peu plus conceptuel, mais on prend l'engagement de quantifier les émissions de CO2 qu'on permet à nos clients d'économiser. Alors pourquo└            ];==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 �==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 �================�==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 �================�==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 

Mais nous, on a une conviction très profonde, moi, personnellement, je l'ai, et je pense qu'elle est partagée par le groupe, c'est que si on veut créer cette transformation environnementale, il faut qu'on arrive à quantifier la valeur environnementale, et il faut que cette information puisse être partagée le long d'une chaîne de valeur industrielle. Il faut qu'on arrive à mettre des chiffres, que ces chiffres soient robustes,
pour objectiver les bénéfices. Et demain, vous achetez une prestation, un produit, du fait de sa qualité, du fait de la qualité de relations professionnelles que vous avez avec l'entreprise, de la confiance, de son crédit financier et de la valeur environnementale du service qui vous est donné. Et c'est seulement si on arrive à créer cette capacité à quantifier qu'on arrivera à remonter cette chaîne de valeur des 7 fournisseurs dont je vous parlais juste avant, parce qu'il faut que cette donnée environnementale devienne une évidence dans les relations business, les relations commerciales. Donc on s'engage à faire cette quantification et progressivement, parce que ça c'est forcément via des standards, hein, à porter l'émergence de cette quantification pour que ça puisse devenir un standard largement utilisé dans les modèles d'affaires et économiques. Donc ça, c'est quand même un sujet hyper intéressant, clé, parce que en gros, si on paye plus cher, entre guillemets, on sait que derrière, il y a des bénéfices en termes de changement climatique, en termes d'environnement. Donc ça doit être un moteur. Ça a une valeur. Il faut que ce soit une valeur qui puisse être révélée sur le marché, bien sûr. Ça, c'est hyper, je trouve, hyper important. Bah, c'est quand même un sujet pour toutes les entreprises de pouvoir quantifier pour avancer, en fait. Donc, être capable de quantifier ces bénéfices de CO2 et de mettre ces métriques au cœur de votre proposition commerciale, c'est quand même assez innovant. C'est ça qui change la donne pour vous chez Schneider. Mais pour accélérer sur la transformation énergétique, Schneider Electric a également opté pour l'open innovation. Donc, on est aussi là, c'est l'écosystème Green Tech qui nous écoute. Donc, ils seront intéressés de savoir comment Schneider Electric travaille avec les startups. En 2018, le groupe a lancé Schneider Electric Venture, doté de 500 millions d'euros. Donc, c'est quand même une belle enveloppe. Alors, c'est une stratégie d'investissement en direct, mais qui se double d'un partenariat et d'action, de partenariat avec les startups. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez avec les startups et quels sont les secteurs prioritaires pour vous sur le sujet? Et pourquoi c'est important pour vous, Schneider Electric, de travailler avec des startups? Alors, je reviens au tout début de... Quand j'ai essayé de vous aider à vous projeter, en vous donnant quelques chiffres clés. Évidemment, quand on est dans ce type de transformation extrêmement profonde de tout, de l'infrastructure, de l'organisation des villes, des modèles d'affaires, c'est pas un sujet sur lequel un grand groupe comme Schneider Electric, quelle que soit sa taille, va y arriver tout seul. Déjà, parce que dans ce futur, tous les protocoles de communication, partage d'informations sont évidemment des protocoles ouverts avec des solutions interopérables. Et puis deux, parce qu'il y a un besoin d'innovation. On peut commencer tout de suite. Sur nos opérations, on a pris l'engagement de le faire maintenant. Il y a plein de technologies qui sont disponibles pour accélérer, mais il y a aussi des briques de technologies d'innovation qui aujourd'hui nous manquent. Et donc, le pari de Schneider Electric, mais je pense que c'est un bon pari, c'est de le faire avec des startups. Alors, on a différents modèles de collaboration. On fait déjà de l'incubation de start-up chez Schneider Electric, souvent portée par des employés, mais à qui on permet de sortir de la structure pour incuber et ensuite... De l'intrapreneuriat, en quelque sorte. Exactement. Ensuite, on fait de l'investissement à travers notre fonds de capital risque. On a aussi des partenariats commerciaux avec les startups dans lesquelles on a investi ou pas. Et on a des situations, je pourrais vous donner un exemple après, de partenariat commercial qui fonctionne même sans logique d'investissement, hein, c'est pas un prérequis. Et puis on peut aussi être amené à rentrer dans des joint ventures avec d'autres corporations importantes dans certains cas. L'exemple principal chez nous aujourd'hui, c'est quand il y a des gros besoins de financement et on va rentrer dans des joint ventures avec des partenaires financiers notamment pour permettre des investissements assez importants en infrastructure. Par exemple, tout ce qui va être microgrid, généralement on va rentrer en joint venture. Nous, on est le partenaire technologique et on va avoir d'autres partenaires technologiques et des partenaires financiers. Donc on a ces différents modèles. Et notre fonds Schneider Venture, c'est vraiment... je pense à un très bel exemple d'accélération de cette stratégie. Alors, on faisait de l'innovation avant, hein, mais depuis 2018, on a une gouvernance ad hoc. C'est 500 millions d'euros. Le taux de dépense, c'est à peu près 100 millions d'euros par an. Et donc, c'est pour le moment un grand succès, hein, parce qu'on n'a pas de mal, entre guillemets, à trouver ces pépites. L'idée, c'est pas du tout un fonds de capital risque et un objectif de retour sur investissement. Hein. On n'est pas...
on n'est pas du private equity. L'idée, c'est vraiment d'investir dans des startups qui portent des briques technologiques qui vont être complémentaires avec les briques de Schneider Electric et surtout bien s'intégrer dans notre vision de ce que doit être le système énergétique de demain. Donc on investit dans des startups qui portent par exemple des capacités numériques sur la gestion de l'énergie dans les bâtiments, pour les véhicules, il y en a quelques-unes là-haut, tout ce qui vont être intelligence artificielle, algorithmes, capacité mise au service du pilotage et de la gestion du système électrique de demain. Et on investit aussi beaucoup dans le domaine industriel sur, on travaille en partenariat avec des startups qui mettent les technologies numériques au service de l'optimisation de la production, de boucles plus circulaires, de la maintenance prédictive, la réalité augmentée au service de la maintenance, en gros tout ce qui va rentrer dans les briques technologiques pour faire de l'industrie décarbonée et plus efficace demain. Donc ça, c'est nos domaines privilégiés d'investissement sur lesquels on a évidemment des synergies fortes business. Et ce que nous, on va apporter à ces startups, c'est des accès à des clients. On peut les emmener avec nous dans certains deals. Donc on ouvre des go-to-market. Évidemment, également, d'un point de vue humain, l'accès à l'expertise du groupe. Et puis, dans certains cas, du financement. Alors, l'écosystème start-up pour Schneider Electric, c'est combien c'est quoi? C'est une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de start-up? Si je dis une cinquantaine, je suis plutôt du côté conservateur de l'estimation. Mais oui, on a, disons que des start-up avec lesquelles on a effectivement des relations d'investissement et ou des partenariats commerciaux qui ont vraiment livré du chiffre d'affaires pour ces entreprises, je dirais une grosse cinquantaine aujourd'hui. Alors, j'ai une question donc autour de la sobriété, numérique, qui est un peu le sujet d'actualité. Donc, vous développez depuis plusieurs années des solutions de pilotage énergétique qui sont quand même devenues stratégiques depuis la crise que traverse l'Europe. Alors, selon vous, est-ce qu'on peut parvenir à l'objectif gouvernemental de baisser sa consommation énergétique de 10% d'ici 2024 grâce à ça? Et question subsidiaire, quelles actions vous allez mettre en place en interne pour répondre au plan sobriété énergétique lancé par le gouvernement? Alors, oui, alors 10% en 2 ans, c'est faisable s'il y a une vraie mobilisation collective. Mais ceci est quand même important. Aujourd'hui, moi, je suis dans les sujets tous les jours, donc j'ai l'impression que c'est une évidence. Quand j'en parle autour de moi, petite anecdote, par exemple, j'ai expliqué à la directrice d'école de ma fille qu'il fallait quand même qu'elle se prépare à l'idée d'une coupure cet hiver, et elle n'était pas au courant. Voilà, je lui ai dit, vous allez avoir 300 enfants sur les bras, et il va faire du noir. Donc réfléchissez 2 minutes, et elle a cru que j'étais folle. Donc voilà, le si est quand même un prérequis important. Oui, c'est atteignable. Quand on regarde dans nos propres sites, c'est toujours cette analogie. Et encore une fois, on a des sites qui sont petits, c'est diffus dans plein de pays. Il y a une complexité organisationnelle réelle. Historiquement, Schneider a livré 10% d'efficacité par cycle de 3 ans, et ce, 4 fois de suite. Ça fait 12 ans qu'on a ce programme. Et sur chaque cycle de 3 ans, à chaque fois, on a fait 10% d'efficacité. Donc 10, 10, 10, 10. Aujourd'hui, on a plus de 40% en cumulé. Ça prouve bien que quand on commence à regarder ses consommations d'énergie et qu'on cherche les gisements d'efficacité, on les trouve. Ce qui est un petit peu spécifique dans le contexte actuel, c'est qu'on appelle à la sobriété. Et donc là, c'est quand même un changement des comportements. Et nous, ce qu'on pense, et puis d'ailleurs, ça a été très bien porté par les pouvoirs publics, c'est que pour rendre cette sobriété durable, la sobriété, en fait, pour moi, c'est l'envie de changer, c'est la prise de conscience et la mobilisation individuelle, la mobilisation de l'entreprise pour changer, c'est comportemental. Pour que ce changement soit soutenable dans le temps, évidemment, il faut de la technologie pour rendre ça, tout ça, automatique. Un bâtiment, on peut ponctuellement baisser le chauffage, faire attention à éteindre les lumières, mais enfin, fondamentalement, si on veut que ces économies perdure dans le temps et que ce soit pas un effort ponctuel, et ben il faut bien déployer ces solutions de pilotage pour le bâtiment. Donc Schneider, dans nos propres sites, toujours la même logique, être exemplaire chez nous, dans notre écosystème, et aider nos clients. Et on a pris, on a signé toutes les chartes proposées par le gouvernement. On va utiliser en fait les technologies qu'on a déployées dans nos propres sites pour permettre cet effort de sobriété pendant l'hiver, avec les efforts continus, puis les efforts spécifiques en cas d'alerte orange, rouge, des systèmes énergétiques.
Donc, dans nos propres sites, on va déployer ces actions. Et puis, on aide nos clients. Et puis, il y a un petit pic de demande en ce moment, à déployer ces technologies dans leurs propres sites. Et puis, c'est toujours la même histoire. Hein. Évidemment, la manière dont on gère chez nous permet d'aider les clients à faire la même chose chez eux. Et en interne, vous m'avez dit, il s'agit aussi de sensibiliser les salariés, les employés à ce sujet. Est-ce que vous avez prévu des actions spécifiques par rapport à ça? Oui, alors ça, c'est une question de posture d'entreprise. Et pareil, hein, on n'est pas du tout les seuls à faire ça. Mais c'est vrai qu'on se voit en tant que grand groupe comme en capacité de mobiliser nos employés qui sont eux-mêmes des citoyens. Et puis mobiliser nos partenaires business, hein, par exemple toute la filière d'installation électrique, les tableautiers, électriciens, qui eux-mêmes sont également des citoyens, ils vont parler à leur directrice d'école de la même manière. Donc en fait, on met beaucoup d'accent sur l'information, la sensibilisation à destination de nos employés en France, mais aussi de nos partenaires, parce qu'on est un business B2B, hein, donc nos partenaires professionnels, pour essayer de se faire l'écho de la mobilisation pour l'hiver, avec toujours l'action comportementale, la sensibilisation, l'explication, et puis l'explication de ce que les technologies peuvent apporter. Je l'ai expliqué dans les bureaux pour le pilotage, mais c'est exactement la même chose à la maison. Les systèmes de pilotage à la maison, vous n'allez pas tourner la molette du chauffage tous les matins en partant de chez vous pour le couper. Ça rend ça automatique. Moi, chez moi, automatiquement, à 8h, ça coupe, ça rallume à 16h avant que mes filles rentrent de l'école. Et ça, ce n'est pas moi qui dois appuyer sur le bouton pour que ça se produise. Et c'est une récurrence tous les jours. Et c'est devenu automatique. Donc, pour conclure, j'avais envie de vous demander... On a bien compris qu'il y a urgence, on a bien compris que ça va être compliqué de tenir les engagements que Schneider s'est fixé globalement pour baisser les émissions de carbone. Quelles sont vos trois idées pour accélérer sur cette fameuse transition climatique? Alors, la première, j'ai déjà dit, mais c'est il faut y aller tout de suite. Il y a urgence. Voilà, il y a aucune raison d'attendre. Énormément de technologies sont disponibles. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, on parlait de protocole ouvert juste avant. Les briques de ce qu'on déploie aujourd'hui doivent être déployées pour être compatibles avec les briques qu'on inventera demain. Il y a des startups avec lesquelles on travaille, par exemple EcoAdapt, avec qui on a un partenariat commercial. On prend leurs algorithmes d'optimisation des machines et on est capable de les installer sur des systèmes existants de Schneider Electric, donc en rétrofit, quoi, en rénovation, ou plutôt en upgrade de capacités technologiques pour optimiser les opérations, en l'occurrence d'infrastructures très lourdes, pour optimiser tout ce qui est fonctionnement des moteurs. Donc on doit commencer tout de suite en faisant en sorte que ce qu'on déploie maintenant ne soit pas obsolète dans 5 ans. Voilà. Mais on peut commencer tout de suite, ça c'est une évidence. Peut-être le deuxième message, c'est sur la planification. On a quand même, je pense, on peut toujours se flageller, mais en France, historiquement, un défaut de planification. On n'est pas dans cette anticipation conséquence que j'essayais de décrire au début. Il faut qu'on arrive à se fixer un cadre clair et à le tenir. Et cette vision-là, elle doit être portée au plus haut niveau politique, de vision de société, projet de société. Et aujourd'hui, ça fait encore défaut. On a la vision sur l'urgence de l'hiver, mais c'est vrai qu'il nous manque cette planification, vision de l'évolution de la société qu'on souhaite pour pouvoir le garder en fil rouge. Si je fais le parallèle avec Schneider Electric, il y a 15 ans, on l'a mis au cœur de notre stratégie d'entreprise. 15 ans plus tard, on n'est plus du tout la même société. Il nous faut le même genre de planification pour y arriver. Et puis la dernière idée... Mais une planification, vous dites qu'il faut quand même se laisser une marge de manœuvre pour pas se retrouver en tension. Quoi. Oui. En fait, dans la vision de planification, alors là, c'est que ça parlera que aux experts des scénarios énergétiques, mais aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on tire le trait. Et on se dit, bon, on va aller là, on part d'ici, et on ne prévoit pas de couloir de transition. Mais s'il y a bien une chose dont on est certain, c'est qu'on ne va pas faire une ligne droite. Voilà. Les choses ne vont pas se passer comme on pense, ça va être plus lent, parfois plus rapide, on va se rendre compte que les bénéfices ne sont pas exactement ceux auxquels on espérait. Et donc, si on ne se laisse aucune marge de manœuvre et qu'on pense que la transition sera une ligne droite, évidemment, à chaque fois qu'on va sortir de cette trajectoire, on va taper le mur. Hein. Et taper le mur, ça veut dire concrètement une crise. Là, on a une crise énergétique. La prochaine fois, ce sera une autre forme
forme de crise. Bientôt, on n'aura plus de sable dans le bâtiment, etc. Donc, il faut qu'on arrive à penser, à planifier, mais aussi à penser en termes de couloir pour avoir les marges de manœuvre de l'apprentissage dans cette transition. Ça, c'est évident. Puis, la dernière idée, c'est l'idée de résilience. Alors, avec le Covid, l'Ukraine, maintenant, ça commence à être un mot qui est à la mode. Mais enfin, il y a 3 ans, personne ne parlait de résilience. On est en train de parier sur des nouvelles technologies et on n'a pas nécessairement à l'amont les ressources, les matières. On n'a pas toujours les compétences pour faire, enfin les compétences et les capacités d'upskilling. Je suis désolée, je suis du franglais, pour faire monter en compétences collectives, enfin notre économie. Et donc il faut qu'on pense résilience pour être sûr que les choix qu'on fait, quelque part ils sont indiscutables. Donc en fait il faut qu'ils soient backupés, il faut qu'ils soient soutenus par une vraie politique nationale de résilience. Et ça c'est pas du tout ce que l'Europe ni la France ont fait ces 20 dernières années, donc il faut un peu changer notre cortex sur la façon de penser planification économique et environnementale. Eh ben, merci beaucoup Esther Findoury pour cet entretien qui était passionnant. Ces pistes de réflexion pour penser l'avenir autrement et accélérer sur ces sujets. Je retiens planification, je retiens évaluation des bénéfices du CO2 intégré dans les propositions commerciales pour vraiment changer la donne. Je retiens aussi résilience, évidemment. On l'a compris, il y a urgence à agir pour le climat. La transition climatique est une source d'opportunité, vous l'avez rappelé, à différents titres. Et c'est vrai qu'on n'a pas le droit de le rater, on n'a plus le choix. Eh bien, je vais vous laisser avec une table ronde qui promet d'être inspirante, si les speakers sont là, puisqu'on va parler d'économie décarbonée, comment vite y parvenir, avec un débat inversé mené par Thomas Cotinet, chef de l'Écolab au Commissariat général au développement durable. Restez, ça va être vraiment, vraiment bien. J'ai vu l'année dernière le débat inversé. Vous allez avoir la parole. Donc, restez. Je vous promets, ça va être passionnant. Merci.